président parti Dr Patrick Hermini et les autres du monde qui croient dans la liberté de la presse et la démocratie, si après-midi contre la cour magistrat Osoyal, Holden Sipos, journaliste Ralph Volser, après qu'il a été accusé pour trespass pendant qu'il a fait son ouvrage comme un journaliste. Docteur Mini, vous êtes capable de dire un petit peu à cause où là aujourd'hui? Non, moi là aujourd'hui pour support M. Ralph Volser, vraiment solidarité avec lui. À cause de pas trop beaucoup de temps passé, moi aussi je passe des caisses à plus ou moins Paris. C'est un gouvernement qui peut servir la loi pour victimiser les autres opposants politiques et avec lui pour humilier les autres. Et dans le cas M. Volser, même à la casse, à cause de pédine une trespass à la loi. Nous tous nous comptons bien que le problème n'a pas de faire trespassing. Ça n'a pas tout le monde qui a réaction avec. Et si M. Volser, tout le monde dans l'air pour lui aller porter les montagnes et poster sur Facebook, non, il n'y a pas de problème. Vraie raison qu'ils peuvent harasser et victimiser, c'est à cause d'une expose et pratique que le gouvernement LDS lui-même, pendant plusieurs années, a critiqué. Il avait dit qu'il y a un avion cargo qui débarque des marchandises, des commodités, sans aucune inspection custom. Nous avons respecté, après toute cette critique que le président Reverend Calawan a fait, aujourd'hui, ça peut être pour changer. Et M. Ralph Volser montre nous que toutes les choses sont pareilles. Et ça qui fait que j'ai de colère, et voilà la cause qu'aujourd'hui, je le mets dans la prison. Pour moi, ça, il y a persécution individu et violation de son droit humain et son droit pour lui exprimer son décor et droit pour lui, comme un journaliste, donner l'information, le peuple c'est ses droits. Of course, c'est pas de la démocratie et la liberté d'expression. Docteur Mini, comment président parti United Seychelles, cause un petit peu l'eau, ça précédit 4 ans depuis l'LDS au pouvoir, gouvernance pays ensemble avec droit humain. Eh bien, il est clair qu'ils ont mis depuis les multipartis, nous avons tout dit en 93, nous, c'est la quantité de violation de droits humains par un gouvernement. Dimouni a mis de casso à cause de ce qui est écrit sur Facebook. Dimouni a mis de casso à cause qu'il est supposé qu'il organise un coup de temps servant Grégory. Là, nous voyons qu'à M. Volser, que c'était Dimouni qui a poussé le travail à cause de ce que j'ai écrit sur Facebook. Et pas juste dans le monde du gouvernement. Qui ça a fait? Il y a aussi call dans le monde. Dans le secteur privé, ils collent les autres employés et mettent pour échelon employé pour pousser sa bande du monde à cause d'une critique. Il est clair que dans ce secteur aujourd'hui, il y en a un dictature qui peut bousonner. Et moi, je dis ça depuis 3 ans passés, à cause de mon interim qu'on a rendu très bien. Et aujourd'hui, qui sont les résultats? Mon résultat, c'est que le World Economic Governance Index, c'est celle qui apparaît parmi ses premiers 10 pays. On a Namibia, on a même Sénégal qui parle devant nous. Il montre que droit humain, the rule of law, respect pour ça des concepts, il détériore complètement la CCL. Et aujourd'hui, il y a la honte. Et le peuple de CCL a besoin de bout. Aujourd'hui, M. Volser, hier, Timon, demain, il risque où. Vous voyez, nous mettons la fin avec la dictature d'un pays.